Bonjour. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de l'œil de tigre. Donc pour beaucoup la connaissent sous une pierre de protection, mais elle a aussi d'autres, alors je dirais pas fonction parce que c'est pas le mot, mais en tout cas elle aide à bien d'autres choses. Donc, comme je disais, donc c'est une belle pierre de protection, surtout pour les mauvaises énergies. Là, c'est surtout les énergies qu'on nous envoie, ou même les énergies d'un lieu ou des choses comme ça. Donc, toujours pareil, hein, quand on se sent protégé, ça nous aide à diminuer notre stress. On a aussi beaucoup moins de pensées négatives. Donc, favorise forcément les idées positives, quoi. Voilà, c'est ça surtout, hein, voilà. Toujours pareil, hein, le fait qu'on se sente protégé, on est quand même, on se sent en tout cas un peu plus en sécurité. Donc comment je veux dire, on arrive plus facilement à se détendre, que ce soit corporellement ou mentalement parlant, voire même psychiquement parlant. Donc on est beaucoup plus détendu. On a aussi beaucoup moins de douleurs articulaires, hein, parce que c'est pareil, hein, plus on est tendu, plus on a des douleurs. On arrive aussi plus facilement à respirer. Et on a une meilleure digestion. Voilà, tout ça permet vraiment de se sentir vraiment bien dans son corps, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que à partir du moment où vraiment on se sent protégé et en sécurité, le reste de notre corps se détend et on a beaucoup plus de facilité à comme je disais, à respirer, à avoir des pensées positives, à détendre son corps et son esprit, à avoir beaucoup moins de douleurs articulaires et puis surtout de mieux digérer. Donc voilà, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Moi, je vais vous présenter différents produits, enfin produits, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas sous différentes formes que je peux avoir, dont une que moi j'ai fait en création. Donc, je vais vous présenter donc mon bracelet perle, comme ça, voilà, en œil de tigre, toujours, la petite perle, j'aime beaucoup. Après, vous avez le chips, qui est un petit peu plus... enfin en tout cas différent dans le sens où les énergies sont pas trop les mêmes. Donc ça c'est ce que je vous disais, donc une création que je peux faire quand j'ai les produits pour, voilà. Donc ça c'est une des créations avec la tête de lion, voilà. J'aime beaucoup aussi cette forme-là parce que c'est tubulaire et j'aime beaucoup cette forme aussi. Je trouve que que ça amène une énergie constante. Voilà. Je trouve que cette énergie-là est constante. Autant sur le chips, ça part un petit peu dans tous les sens et ça peut être sympa aussi. La ronde, ça nous apporte une certaine rondeur, une certaine sécurité. Alors que là, celle-ci, je trouve que la sécurité, elle est constante. Elle est vraiment linéaire. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans cette forme-là. Donc, je l'ai aussi en forme de pendentif, comme ça. Donc, ça, c'est la petite forme marquise, voilà. Une petite forme intéressante aussi. Ah. Et puis, j'ai trouvé aussi le croissant de lune intéressant dans cette pierre-là. Voilà. Moi, je l'ai aussi, je l'aime beaucoup aussi comme ça. Donc, je trouve qu'elle est très intéressante dans cette forme-là. Voilà, vous avez les différentes formes que moi je peux avoir. Vous les retrouverez en tout cas sur mon site internet, Énergie Spirituelle 85. Vous pouvez aussi les retrouver ici et vous aurez un petit peu plus d'explications et un peu plus de choix, non, parce que là c'est vraiment tout ce que j'ai moi. Par contre, en termes de création, je peux l'intégrer avec d'autres pierres. Après, c'est à vous de voir, vous me direz ce que vous en pensez et si, enfin, ou surtout ce dont vous avez besoin. Donc, comme je vous disais, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. J'en ai mis un petit peu aussi via Facebook.
Vous pouvez, moi, me retrouver toutes mes créations éventuelles que je peux avoir. Je les mets soit sur Facebook, soit sur Instagram, sur la chaîne YouTube aussi. Et puis, après, le téléphone, si vous voulez, le WhatsApp, enfin voilà, vous avez différentes façons de me communiquer, de me contacter, excusez-moi. Donc, c'est vraiment une très, très belle pierre aussi. Elle est vraiment très intéressante à travailler, en tout cas. Et elle partage tellement bien et tellement facilement son énergie. C'est une très très belle pierre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.